du Bureau de la responsabilité financière. Déclaration de député. La députée de Scarborough-Sud-Ouest. Merci. Je continue à entendre des familles et avec des proches qui sont des octogénaires ou nonagénaires qui sont encore limités à la maison et qui n'ont pas de réponse quand ils auront des vaccins. Ma concitoyenne Mary Fitzberg a pris soin de son père Thomas qui a 97 ans, qui est presque aveugle, a du diabète et maladie du rein, ne peut pas marcher. Sa famille a dépensé des semaines au téléphone pour avoir des réponses Lynn, au TPH et d'autres. Le groupe de consultation de la COVID-19 dit qu'il y a 75 000 Ontariens qui ont plus de 65 ans et 12 000 de ce temps entre ceux vivent à Scarborough. Beaucoup de ces gens-là sont isolés de leur famille, les soignants depuis des mois et des mois. Ces gens souffrent, Monsieur le Président, de détérioration physique et mentale. Toutes ces personnes étaient admissibles à la première phase et cependant, ils attendent. Après deux mois de demander à ce gouvernement, finalement, on entre dans la phase où il y a assez de vaccins, on se fait vacciner. Il y a des cliniques de jour qui ont vacciné presque 10 000 personnes par jour et nous avons assez de vaccins. Mais le plan oublie certaines personnes. Il faut s'assurer qu'on ait accès équitable pour toutes les populations vulnérables, c'est-à-dire avoir une stratégie pour ceux qui sont coincés à la maison et qui veulent être vaccinés. Merci, Monsieur le Président. Merci. Déclaration de député, le député de Sarnia-Lambton. Merci, Monsieur le Président. C'est un privilège de prendre la parole pour parler encore une fois d'un sujet très important pour la population ontarienne. La ligne 5, on arrive à l'échéance de 12 mai pour le conduit 5, qui est un élément très critique d'infrastructure qui donne de l'huile à des raffineries en Ontario, au Québec et au Michigan. Des médecines, des vitamines, toutes sortes de produits. Le conduit 5 aide à que cela devienne. Forcer la fermeture du conduit 5 va créer beaucoup de problèmes à un moment vulnérable pour la population ontarienne du Québec et de la région des Grands Lacs. Ça va poser des problèmes à l'approvisionnement en pétrole et on sera obligé d'ajouter des camions dans les routes, ce qui va causer beaucoup de problèmes. Et en mars, les membres de cette Assemblée législative ont voté en appuyant, en reconnaissant que les ressources naturelles comme l'huile et le gaz étaient responsables de milliers d'emplois et que des pipelines comme le conduit 5 étaient la façon la plus sûre de passer. Quand l'échéance du 12 mai arrive très vite, je demande à tous les députés de cette Assemblée législative et tous les gens à la maison de demander au gouvernement du Canada pour assurer la sécurité de l'énergie et maintenir le conduit 5 ouvert. Merci. Merci. Déclaration de député. La députée de Beaches ici. Merci. Le lancement du vaccin en Ontario a été chaotique et inéquitable. À Beaches-sur-Mer, il y a des points chauds, des codes postaux de points chauds qui ne sont pas sur la liste provinciale, même si la santé publique de Toronto et l'hôpital Michael Gann traitent comme des points chauds et le font depuis la pandémie. Dans la circonscription, on a des poches de pauvreté, des communautés de travailleurs essentiels qui ont des difficultés à se faire vacciner. Parce que la seule façon comment l'hôpital peut avoir des vaccins. C'est premier arrivé, premier servi dans les cliniques chaud qu'il n'y a pas. Des gens de Beaches East York qui ne vivent pas dans les zones chaudes sont frustrés et fâchés par le lancement et du fait que le gouvernement a payé au général 20 000 $ par mois pour nous laisser ce désastre. Beaucoup de gens n'ont pas le temps ni les connaissances d'Internet pour pouvoir suivre le vaccin. Si vous n'avez pas une voiture, vous pouvez laisser tout et traverser la ville pour un pop-up qui existe, où il y a des espaces supplémentaires. Si vous ne connaissez pas quelqu'un qui connaît quelqu'un, ce n'est pas facile. D'avoir un vaccin, ça ne devrait pas comme chercher à avoir des billets pour un concert qui est à guichet fermé. Ce n'est pas comme un gang. Des vies dépendent sur le gouvernement. Il est bien le temps que le Premier ministre répare les choses.
Déclaration suivante du député, de Pickering. Merci, on a annoncé un partenariat avec Reuters Canada qui va donner et faciliter des programmes de santé mentale, Core Trauma Concept, au service des pompiers. Le financement de ce programme a été reçu par le Fonds de santé mentale. Core Trauma Concept dépose des questions de traumatisme donnant d'éducation appropriée pour que les gens qui sont exposés au traumatisme, comme les pompiers de l'Ontario, puissent faire. Reuters Canada, qui est dans ma circonscription, j'aimerais le remercier du fait qu'il continue à du leadership du nouveau programme de santé mentale pour l'ancien combattant, les premiers intervenants et leurs familles. Merci, Monsieur le Président. Merci. Déclaration de député. La députée de Winter West. Merci. On est à la semaine nationale des infirmières et on sait que les infirmières font un travail très difficile. Ils ont beaucoup d'aptitudes et pendant la pandémie, ils sont allés au-delà des autres. C'est beaucoup d'infirmières ne sont pas reconnues et ne peuvent pas subvenir avec le travail difficile. Je pense que c'est bien à la semaine nationale des soins infirmiers et partage des pensées directes de Birgit Ongeva, qui est une infirmière aux soins intensifs. Birgit dit, quand elle a pris son dernier souffle, j'ai pris ses mains pendant que je pleurais, mais avec mon masque. Sa famille ne pouvait pas être là. J'étais sa famille et son infirmière. La Semaine nationale des soins infirmiers me font penser à toutes mes collègues et moi qui aidons les gens mourants. Et les gens qui ne peuvent pas voir leurs proches décédés. Nous sommes là en dépit, nous sommes fatigués, nous ne sommes pas assez payés. Aujourd'hui, on fait le deuil des patients qui sont décédés de la COVID-19. Et on se souvient des collègues qui ont eu des problèmes. Il faut vacciner tous les gens de première ligne. La santé mentale et le projet de loi 104. Il n'y a pas de semaine nationale des soins infirmiers sans des politiques équitables pour les infirmières, sans 10 jours de congés payés de maladie. La semaine nationale des soins infirmiers, il faut écouter les infirmières et répondre à leur appel. Merci. Déclaration de député, la députée de Cambridge. Merci. Bonjour. Il y a eu 14 mois difficiles, Tout confinement, toute restriction, toute décision quant à la COVID-19 a apparemment été parce que le gouvernement écoute les médecins et suivant la table scientifique. Le 8 mai, on a dit que l'Association pédiatrique canadienne demande au gouvernement de rouvrir immédiatement des lieux de loisirs extérieurs parce que leur fermeture a des effets néfastes pour les enfants. L'étude menée par l'hôpital des enfants malades démontre que 80% des enfants ont dit qu'ils avaient une détérioration de santé mentale. Et je cite une lettre, l'isolement social, c'est la prévision la plus facile de mauvaise santé mentale. Le docteur Isaac Bosch dit que fermer des lieux de loisirs n'est pas une bonne chose. La science est claire. La transmission à l'extérieur est rare. Et le docteur David Fitzman, à la table scientifique du premier ministre, a dit « Vous enlevez les options sécuritaires pour la population ». Je ne sais pas quelle est la science que le premier ministre suit pour fermer certaines choses et laisser d'autres ouvertes, comme les terrains de golf. Il faut que nos espaces de loisirs restent ouverts. Déclaration de député, le député de Brantford-Brant. Bonjour, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour réfléchir au 4 mai, la journée internationale des pompiers. Et on a appris un jour pour les gens qui sacrifient leur vie et pour hommes et femmes sans compte qui nous protègent à chaque jour. Aujourd'hui, je veux reconnaître le dévouement de nos pompiers, ceux qui sont des pompiers de carrière et des bénévoles, ici en Ontario et dans la circonscription de Brantford-Brant. Cette année a ajouté plus de stress et je les remercie de leur dévouement. En tant que pompier bénévole, j'ai vu l'engagement et de
de mes collègues. Souvent, nous voyons la vie à son pire, soit la destruction de propriétés par le feu ou une tragédie d'un accident, et de courir vers un édifice qui brûle où tout le monde s'échappe demande un manque d'égoïsme complet. Et il faut prendre un moment de reconnaître les familles, les amis, des pompiers qui savent quels sont les risques quotidiens qu'ils souffrent. Et le credo des pompiers démontre bien ce qu'ils font. Je vais vendre ma vie au feu, mais je vais sauver ceux qui ont besoin d'aide avec l'aide de Dieu. Et j'espère qu'ils pourront continuer à faire un bon travail pendant toute l'année. Merci. L'ancien député, le député de Sudbury. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le prix des journaux de l'Ontario reconnaît les bons journalistes, des journalistes à l'extérieur de Toronto. La reporter de Sudbury Star de Toronto, Mary Catherine Keynes, a été gagnée parce qu'elle a écrit un article sur la circulation. Et je vais partager une portion de cet article. La traite de personnes a lieu partout, y inclus à Sudbury. C'est plus commun qu'on pense et touche toutes les couches de la société. Mercredi, Wendy a servi sexuellement 4 hommes. C'est pas son nom vrai. Et c'était des avocats, des policiers. Il y a beaucoup de personnes. Et pour la plupart, c'est des hommes professionnels. Wendy était déplacée dans des villes, à Sudbury, Timmins, Mississauga, Toronto, Hamilton et Sault-Saint-Marie. Et quand on lui a demandé qu'on utilise pas son vrai nom, et Catherine a été d'accord. Et vous comprenez pourquoi elle veut rester anonyme. Monsieur le Président, en tant que député de Sudbury, je veux remercier Mary Catherine Keane, la journaliste du Star de Sudbury, pour illuminer ce fléau qui est la traite de personnes. Et je veux aussi que les gens lisent cet article et demandent à ce qu'on ait du financement pour des logements de transition et tous les soutiens que les gens qui sont trafiqués ont besoin d'avoir. Merci, Monsieur le Président. Merci. Le député de Perry Sound Muskoka. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour rendre hommage à une femme incroyable qui a passé depuis 25 ans à dévouer les soins aux palliatifs, aux patients qui soient confortables, que les familles reçoivent les soutiens nécessaires. Sandy Spear a pris sa retraite en tant que directrice générale à Hospice Muskoka jeudi dernier. Sandra a dévoué sa vie après le décès de sa mère et est devenue la force derrière les services palliatifs à Muskoka. Avec la fondation Andy Potts, Sandy a ouvert Andy's House, un hospice dans la circonscription. Après des journées de levée de fonds, Andy's House a ouvert la semaine dernière et c'était un des derniers événements avant la pandémie. Sandy a commencé la conversation sur la fin de vie et le deuil. Quand elle a vu que dans la communauté, il n'y avait pas beaucoup de soutien pour les familles qui étaient en deuil, elle a créé pour des gens qui avaient eu un décès dans leur famille. Hospice Muskoka, c'est en bonne main entre les mains de Donna Curran, qui a travaillé à l'Hospice Muskoka depuis août dernier en tant que directrice des soins. Au nom de tout le monde à qui Sandra a donné le soutien, je veux remercier Sandra de son travail et je lui souhaite une bonne retraite. Merci. Merci. Déclaration de député. Le député de Willowdale. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Hier, le jour de la mer, comme la fête des mères, j'ai célébré la fête de la mer comme beaucoup d'Ontariens dans ma circonscription avec ma mère en lui donnant un cadeau la deuxième année à cause de la pandémie. La fête des mères était un peu différente. Et je sais que c'est difficile pour beaucoup de gens de ne pas donner une accolade à sa mère et c'est difficile aussi pour moi. Ma mère m'a toujours appuyé et elle a été au cœur de ma famille. Et c'est la femme la plus incroyable que je connais. En tant qu'immigrante et que femme d'affaires et éducatrice,
crise depuis 20 ans. Elle a donné ce qu'elle pouvait à moi et à ma sœur et mon frère et à la communauté pour aider nos enfants. Et elle tourne la chaîne de l'Assemblée à chaque jour pour me voir. Souvent, j'ai des textos en me disant de me mettre plus droit ou de brosser mes cheveux. Mais je suis très fier d'elle. Hier, j'ai eu le privilège de donner des fleurs à ma mère et je l'ai laissée à la porte. Et j'espère que elle, la femme qui a élevé et ma communauté, j'espère que ça. Je veux dire à ma mère saine et toutes les mères, merci de tout ce que fait et reconnaître leur travail pour maintenir leur famille, la collectivité en sécurité. On a besoin de plus de mères à la fête des mères. Il nous faut remercier ces femmes incroyables. Peu importe comme vous avez célébré chez vous ou par Zoom, j'espère que vous savez que vous êtes spéciales. Et maman, je veux te donner une accolade bientôt. Merci. Merci. Cela conclut les déclarations des députés. Leader parlementaire au du gouvernement pour un rappel au règlement. Si vous le demandez, vous obtiendrez le consentement unanime. Pour obtenir une minute de silence pour la journée du lupus. Le leader parlementaire du gouvernement demande le consentement unanime de porter un ruban mauve pour la journée du lupus.